Bonjour YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, une vidéo tant attendue par beaucoup de monde. Ah bon? Bah par toi et moi. Ah, déjà. Ah, par toi et moi, ça va, comment tu vas? Très bien, nickel, tu fais. Moi c'est propre. Ah, bon. Voilà, tu vois, c'est 18. Bon les gars, aujourd'hui, première vidéo de l'année. Non, on est dehors pour une fois, c'est déjà pas mal. Pour une. Oh, regardez le cadre. On a jamais eu un cadre comme ça, on est toujours chez moi. Mais grave. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cache-cache, comme vous l'avez vu dans le titre. Ce n'est pas un cache-cache de l'extrême, c'est juste un cache-cache de l'extrême parce qu'il fait extrêmement froid. C'est juste ça. Voilà. Bon, j'explique la règle du jeu, elle est très simple. Je vais me cacher, j'appelle Enzo quand je suis caché, je lui envoie une photo de l'endroit où je pourrais me situer à peu près. Lui, il débarque et quand il arrive à l'endroit de la photo, il m'appelle pour me dire qu'il est dans les parages. On a une zone de 30 mètres pour se cacher, pas plus loin, sinon ça va être un peu dur. Et on a donc tout Metz pour nous cacher. Ouais. Voilà, parce qu'aujourd'hui on est à Metz. On a le droit de se cacher au centre-ville, à la gare et au plan d'eau. Ça c'est les zones où on a le droit de se cacher. On peut se cacher dans l'eau si tu veux, ouais. Mais ça fera pas des beaux plans. Plan d'eau. Qui c'est qui compte en premier? Shifumi. Ah, Shifumi, vas-y. Shifumi. Shifumi. Shifumi, Shifumi. Tu casses les couilles mec, vas-y là. Shifumi, Shifumi, Shifumi. Tiens, dis que t'as raté. Vous allez bien? C'est parti, on va se cacher. On y va? Let's go. Allez. Peace and love. Peace and love. Cache, cache, va te cacher au fond de la cuisine. Cache, cache, va te cacher au fond de la cuisine. Bon, c'est parti, moi j'y vais. Stalo et go, hein. À toutes. Tu me suis pas par contre, c'est pas le but. Je te dis où je me cache si tu veux. Allez les gars, on y va, c'est parti. On va se cacher. Bon, par contre, il y a la Marocana là. Ça craint un peu. Allez, on va faire un peu de Ninja Warrior en même temps. Regardez-le ce fumier. Allez, c'est parti. Les gars, j'ai une bête de cachette. Non, je rigole, c'est pas vrai en fait. C'est de la totale impro là. Non mais je sais à peu près où je vais aller. Une fois que ça se place, j'aviserai au pire, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. On y va. Ouh. Je suis déjà fatigué. Allez, go. Oh putain les gars, je m'étais perdu. Oh. Mais ça y est, j'ai retrouvé mon chemin. Ça y est, je sais exactement où je vais me cacher, je vais vous montrer. Alors là les gars. Voilà, je vais me cacher ici. À la cathédrale de Metz. Bon, je vais lui envoyer la photo de l'endroit où je suis et je vous reprends tout de suite après. Y'a Malik qui m'appelle. Oui, allô. Tu caches, t'es caché où? T'as envoyé la photo sur Messenger. Je regarde ça tout de suite. Ne guide pas, hein. Ok, y'a Malik qui vient de se cacher. J'ignore où. J'ignore de le savoir, mais on va regarder. Ok, l'enculé est près de la cathédrale. On y va tout de suite, les gars. Allez, c'est parti. Taux de préparation pour cette vidéo, vous doutez bien. Et d'environ moins 1,2%. Mais c'est pas grave, c'est le goût du challenge qui est important. Bon, c'est peut-être plus compliqué que prévu parce que là, du coup, je vais lui envoyer l'endroit où je me retrouve actuellement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien pour se cacher en fait. J'ai pas réfléchi avant. J'avais dit que j'avais réfléchi, mais non, en fait, c'est la totale impro, il se casse les couilles. Donc, où est-ce que je vais aller? Je ne le sais pas. Ouais, les gars, je suis paumé. Je sais pas du tout où aller. C'est la douille. Bon, venez avec moi, on va trouver quelque chose. Alors, bon, déjà la cathédrale, bon, s'il y a rien devant, je peux pas me cacher à l'intérieur, de toute façon ça se fait pas. Bon, comme on l'a dit, on a droit à 30 mètres. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas d'idée, là ça me gaffe, putain. Il y a des chapiteaux un peu plus loin là-bas, je vais aller voir dans ce coin-là. Peut-être, je dis bien, peut-être que j'ai une chance de m'en sortir avant que l'autre se pointe. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe de son côté? Ok, je viens d'arriver sur les lieux. Mais il y a des tonnels un peu partout. Je pense qu'il n'avait pas prévu ça du tout. À moins que c'est lui qui a organisé tout ça et qu'en fait il ait des moyens super illimités. En tous les cas, je vais trouver ça. Bon, là je suis dans la zone de la photo donc j'ai moyen de me cacher bien comme il faut. Oh, il y a plein de trucs, mais vas-y, c'est trop cramé à mort. Il n'y a pas assez de risques. Pour les deux prochaines parties, je vous promets du suspense et de l'aventure. Il va pas revenir le petit merdeux. Écoutez, je vais me cacher derrière la murée. Hein. Je vais me cacher là. Je vais me cacher ici. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai une vue d'ensemble. Là, je peux voir quand est-ce qu'il arrive ou pas. Mais le problème, c'est que lui aussi peut me voir.
Bon, c'est pas grave, on l'attend. Mais là, je suis à sa merci, mais. Je pense pas qu'il soit caché à l'intérieur parce que ce serait un peu irrespectueux. Je prends trop de risques, les gars, je suis à sa merci. Est-ce que forcément, ça me trouve ? Je viens de voir une tête. Je te trouve si vite, mec. Pourquoi tu m'as pas prévenu quand t'es arrivé sur le bout de la photo? On avait dit qu'on se prévenait. Ah ouais? Ouais, et d'ailleurs faut que tu me touches. Putain de merde, casse les couilles ce jeune de con. Tu m'as entendu dire? Je crois que ce serait pas irrespectueux, ce serait un peu irrespectueux de se cacher devant la cathédrale. Mais c'est ce que je me suis dit aussi en vidéo, je te jure. Au début j'ai réfléchi, je me suis dit viens mec. En vrai, j'ai regardé la caméra, je me suis dit les gars, est-ce que je me cache dans la cathédrale ou pas? Est-ce que je me cache dans la cathédrale ou pas? Et après je me suis dit non mais ça sera pas respectueux, ça se fait pas et tout, il va jamais oser rentrer et tout. Espèce d'enfoiré, c'est clair. Putain, il m'a trouvé. Les gars, vous avez vu comment ça s'est passé en caméra? Vous avez vu comment ça s'est passé? Je suis dégoûté, putain de merde. Bien, il a gagné, c'est à son tour, mec. Je t'en prie, vas-y. C'est pas fini. Tu m'appelles quand t'as fini? Ah, ça va être Black Mirror. Black Mirror, carrément. Bah vas-y, profite-en parce que moi ça sera Inception après. Vas-y, va te cacher. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Vas-y, va te cacher. Va trop loin quand même, hein. Quel connard. Les gars. Est-ce que je triche et je le suis? Non. Ça... Bon, moi je vais commencer à marcher, je vais pas attendre, ça sert à rien d'attendre des ministres ici. Je vais commencer à le suivre tout doucement, je vais pas regarder, je vais pas tricher, ça se fait pas et tout. Et il m'a fait peur avec son histoire de Black Mirror. Bon, on verra bien. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe de son côté? Je vais le dire à chaque fois. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est le moment pour lui dire que je vais me cacher à la gare? C'est genre à 20 minutes à pied d'ici. J'espère qu'il a pas été trop là non plus, parce que pour tout vous dire, j'ai la flemme. Putain, et puis son trépied de merde là. Putain, j'aurais su, je regardais le mien. Bon, ben on va attendre qu'il m'appelle. Sinon, ça va vous? Je sais pas, c'est qu'il va devoir prendre un bus. Je me dirige tout de suite. Ok, la petite douille, c'est que le bus là, il arrivait dans 8 minutes. Je peux pas lui faire ça. Il va attendre 8 minutes dans la compréhension totale. J'ai mon plan B. Parce qu'elle est censée de ma deuxième cachette, ça va devenir ma première, on verra plus tard pour la gare. Je viens de tremper. La planque parfaite, juste en dessous d'un pont. Je vais l'appeler immédiatement. Il va me détester. Il y a du temps pour se cacher celui-là. Vache. Ouh, toujours pas mal. C'est incroyable. Oh, le hasard fait quelque chose. Oui. Ça y est, t'es caché? Tu as reçu la photo sur ton message. Je sais où c'est, j'arrive. T'as été jusque là-bas? Je vais te déglinguer la tronche, toi. Bon, j'arrive, bouge pas. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, à toutes. Putain, les gars, il était jusqu'au plan d'eau. Je fais comment, moi? Je sais même pas par où il faut passer. Ah, t'inquiète, j'arrive, mon pote. Tu vas savoir comment je m'appelle, moi. Tu vas savoir qui je suis, bon. Je sais que c'est pas très loin d'ici. Alors où? Oh, on va y arriver. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Enzo? Moi les gars, en attendant qu'il arrive, je vais me changer. Je vais mettre ma tenue de cambrioleur. Déconne, c'est juste un pull avec un bonnet. Il n'y a rien de fou. Mais je pense que ça m'a dû l'entendre en erreur. En tous les cas, je suis caché, donc il va avoir un con ici, c'est le trou du cul forcément. Écoute, il y a masse vent. Il fait froid. Qu'il a pas couru. Je commence à parler doucement parce que sinon je vais me faire griller. Ah, évidemment, je remets pas mon menton, sinon c'est pas drôle. Voilà. Au moins, on a froid aux oreilles. Il y a des mecs qui pêchent. Je vais vous montrer. Oh, ils sont partis. Ça y est, je me retrouve tout seul. Ils étaient tous les deux à l'extrémité. Je pouvais rien faire. J'ai vu tout le monde sauf de Malik. C'est ce qu'il y a de plus en fait au final. En fait, je crois que la vie elle me déteste, les gars. Putain de merde, il se met à pleuvoir alors que j'ai rien demandé. Regardez, on la voit la cathédrale d'ici.
Putain. Bon, le plan d'eau. Bon, alors. Maintenant, on y est. Le plan d'eau, c'est de l'autre côté, donc par là-bas. J'espère. Ça pue la piste où je suis, merde, ça fait quoi, je me suis. Moi, je me déteste, merde. Qu'est-ce que je suis venu foutre ici, l'autre, il est toujours pas arrivé. J'entends des bruits qui sont pas rassurés. Ça pue la pisse. Il y a des gens qui ont pissé ici. Ça pue. Ça pue. Ça pue la merde. Ah, c'est pour ça qu'il est là, au milieu de tout ça. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais jeter un petit coup d'œil. Toujours rien à l'horizon. Je vais me retourner et me cacher. Il est toujours pas arrivé sur le coup. Mais où ces putains de plans d'eau, les gars? J'en ai marre. J'en ai marre. Je vous jure, j'en ai plein le cul. Ah, j'ai trouvé le plan d'eau. Oh, chouette. Maintenant, il reste à savoir de quel côté du plan d'eau il a été. Parce qu'il y a deux côtés. La photo qu'il m'a envoyé, enfin, m'a envoyé la photo d'un pont. Donc, si c'est bien le pont que je crois, c'est du côté droit. J'espère. Oh putain, les gars, je vous jure, encore on s'est embarqué encore une fois. Idée de vidéo de merde. Je suis au plan d'eau. Donc, c'est dans cette partie-là. Maintenant, il faut le trouver. Il faut le trouver. Donc, si mes calculs sont exacts, là on est sur le fameux pont. Non, pas du tout en fait. Je suis encore perdu. On va faire des putains de décors, on va traverser comme des fumiers. On s'en bat les couilles. C'est bon. Oh putain, c'est bon les gars. C'est bon, je sais où il est. Il est là-bas, il y a le pont là-bas. Il est tout là-bas au fond. On y va. Oh yes. Yes. On le tient ce bâtard. Bon. Je descends les escaliers. Bah non en fait. Bon, il se trouve de l'autre côté. Oh non. Oh les gars, je suis dans la merde. Faut que je sois de l'autre côté de ce pont. Faut que je tape tout le tour là. J'aimerais bien avoir un petit visu sur lui, faut que je regarde. C'est des bruits cache-cache. C'est le cache-cache à l'ancienne. Sauf que le périmètre d'activité, c'est toute la ville. Je vais lui envoyer d'autres photos pour être sûr qu'il ne se soit pas trompé. Parce que le plan d'eau, il a plusieurs plans. On a le plan d'eau, le plan V, le plan mi. Je vais faire des blagues. Si je le vois arriver, je me planque direct. Vous allez jusqu'au bout du pont. Oui. Et sur la gauche, vous avez une descente. Ah, ici, là, juste des ici. Des escaliers juste en. Ah, oh, super. Au bout du pont. Okay. Et puis vous pouvez aller de l'autre côté. D'accord, c'est super gentil, merci, monsieur. Bonne journée. C'est bon, les gars. Oh, c'est bon, les gars. Allez, les gars, on y va. Ah, il va pas s'en sortir comme ça, celui-là. Moi, je vous le dis. Je vais l'avoir. Promis que je vais l'avoir. Ah putain, je vois les escaliers, ça y est. C'est bon, j'arrive mec. Bouge pas, j'arrive. T'as pas intérêt à changer de cachette. Hein. T'as pas intérêt. Oh, les gars, ils sont là. Ah putain, je suis trop con, je les ai pas vus avant. Ça, c'est vraiment une merde. Je te jure mec, si t'as changé de planque, je te balance dans la flotte. Il a envoyé une photo. Allô? J'arrive, bouge pas, j'arrive. Attends, j'ai juste une question. Tu m'as vu? Non, parce que tu m'as envoyé des photos là, suspectes, donc je me pose une petite question là, je vois si tu te fous pas de ma gueule toi un peu. Tu fais quoi? Bah, j'arrive, je suis à l'endroit où tu m'as dit là. J'arrive. Attends, te raccroche pas toi. La photo que t'as prise là, du pont là. Oui. T'es bien à cet endroit là, on est d'accord? Oui. T'as pas bougé entre temps? Non, j'ai pas bougé. Mais attends, mais je suis où moi? T'es à quel plan d'eau, frère? Bah là où tu te caches quoi. Oui, mais bah je suis du côté où il y a le port. Ah ouais, je suis là. Ouais bah j'arrive. J'arrive, bouge pas. On lance le chrono. A tout de suite. Enfin, le chien de la casse que t'en viens. Il vient de m'appeler en me disant qu'il était en train d'arriver. Donc à partir de maintenant je vais lancer la vidéo. Ça veut dire que le chrono est lancé. Donc 10 minutes à partir de ce moment. Pour qu'il puisse me trouver, il va me trouver en 2 secondes, c'est pas tard. J'aurais pas dû lui envoyer d'autres photos. Il aurait galéré. Je vais rester là. Je sais pas. En fait, j'ai envie de jouer un peu. Putain, j'ai marché dans la merde.
je suis dans une merde. Putain, il y a le pont. Il y a le pont. Il y a le pont, les gars, il y a le pont. Allez, on y est. Maintenant, il faut le trouver. Enzo! Enzo! Je vais fumer, je vais fumer. Je vais fumer, je savais qu'il avait bougé. Je crois qu'on le voit sur la vidéo que je viens de prendre. Je sais pas là, je suis perdu les gars. Il a pris des photos dans le coin. Il est pas caché en dessous là. C'est pas à tort. Regardez ce bâtard là. PD. C'est super homophobe ce que tu viens de dire. Oh putain, je l'ai eu. Oh, tu m'as entendu quand je parlais ou pas? Tu m'entendais quand je parlais? Non, j'ai toujours été vraiment avant. Tu m'entendais pas quand je t'appelais? Putain, j'étais ici, je t'appelais parce qu'en fait je me suis repéré par rapport à la photo. Oh le chien que t'es, gros. T'es vraiment la pire des merdes. J'ai réussi à te filmer à un moment donné. J'ai gagné. Tu m'as filmé. Putain. J'avais envie. Mais en fait j'ai même pas pensé à ça, gros. J'ai même pas pensé à ça, les gars. J'ai même pas pensé à ça. Je me suis dit, tiens, il a pris la photo ici, il a droit. Pourquoi je me suis pas dit tout de suite, il est caché en dessous du pont? C'est bizarre. Là, j'ai quand même gagné au final, je t'ai trouvé avant la fin du compte, ouais. Il est compte. Oh, allez, c'est à mon tour. À toutes. Allez les gars, on y va. Il m'aura pas ce bâtard. Oh, il m'aura fait courir. Bah, vous allez voir ce qu'il va voir. Il va prendre cher. Yeah, c'est juste là. Bon. Maintenant, il suffit de pas faire n'importe quoi. Tricheur! L'avantage de cette cachette là, c'est que j'ai prévu de me cacher ici. On va lui montrer c'est qui le boss. Allez, c'est parti. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va se cacher dans cette zone là. Dans cette zone là. Voilà. Maintenant, il faut que je trouve un banc parce que je vais m'habiller de la sorte à ce qu'ils me reconnaissent pas. Je m'habille, je change de look et c'est parti. Ça le fait pas trop, hein. Je suis d'accord avec vous. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Bon, je prends la photo, je lui envoie et on l'appelle. Ok, ce petit bâtard vient de partir. Cette petite salope, j'ai envie de dire. Je vois aller là-bas. J'ai déjà une petite idée de où est-ce qu'il peut aller. Je sais que... Je pense qu'il va se diriger vers l'effort. Il m'appelle. Allô? Caché. T'es caché où? T'as envoyé la photo? Attends, je regarde. Ok, j'arrive. À tout de suite. Ah, je l'avais dit, il est caché près des ports. Donc, résultat des courses, je vais aller près des ports. C'est bon les gars, je viens de l'appeler. Je viens de l'appeler. Bon, je suis à sa merci. Hein. Là, je suis vraiment à vue de lui, mais ça, c'est vous. Ce qui serait trop drôle les gars, c'est qu'il passe devant moi. Il est là, regardez. Il est juste là. Yes, je te l'ai foutu. Le gars, il est passé à côté. Il m'a regardé. Attendez. Je l'appelle. Je suis arrivé. Et ben alors, on n'est pas loin? Bah écoute, je sais quoi. Je suis arrivé sur le point, on met le timer. Hein.
Ok, ça marche. Que c'est même j'ai pris la photo. Oh, t'es là, t'es... Putain, je sais où t'es enculé, j'arrive tout de suite. Il m'a trouvé. Je sais où il est. C'est qu'on a un timer de 10 minutes. Il arrive. On se prépare à partir avec. Regardez. En attendant, tu parles bête de ma tenue, mais t'es passé à côté de moi, tu m'as pas vu, mec. Hein. Je te jure que je t'ai pas vu. J'étais à côté, je t'ai filmé. Je t'ai filmé, je t'ai dit, regardez le gars, il est juste là. Je pensais que c'était juste un clodo. Tu parles, t'étais sous un pont tout à l'heure. Hein. Allez, c'est à son tour. Allez, mec, va te cacher. I got it. Let's go. Bisous. Il y a un mec qui a rajouté 3 couches de vêtements sur lui. J'ai quand même pas réussi en passant devant lui à le trouver. Parce que je suis trop mal fixé par l'endroit où il prend la photo. Je suis encore essoufflé. Okay. Deuxième cachette. Ça va être très simple. Deuxième cachette. Elle est juste là-bas. C'est sous un fort. C'est pas mal, non? Bon, les gars, je suis changé. Je suis sapé comme il faut. La troisième cachette, les gars, j'ai prévu une tenue. J'espère juste qu'il va pas me reconnaître avec ça, mais là, je vais me fondre dans la foule en espérant que là où je vais aller, c'est ouvert parce que comme on tourne en plein dimanche, le risque c'est que ce soit fermé, mais comme ça se trouve à la gare, j'ai mes chances. On attend maintenant. On attend comme il faut et on se prépare. Oh là là. Je vais m'asseoir un instant si vous le permettez. Comme ça, quand il m'appelle, je suis OP. Allez. D'ailleurs, regardez ce qui se passe de son côté en attendant. Vous êtes commencé à se manier le cul aussi, commence à se faire frisquer, commence à se faire tort surtout. On y arrive. La deuxième cachette. Ouh, il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe de son côté? Les gars, j'ai une de ces envies de pisser en plus, c'est affreux. Il est juste là. J'attends qu'il m'appelle. Je suis tout seul. Je suis vraiment tout seul pour le coup, il n'y a personne. En même temps, on est au bord de l'eau, il fait froid, donc je pense pas que les gens ils aient franchement envie de venir se les cailler ici. Si, il y a un pêcheur là-bas, mais... Je vais aller pisser. Les gars, la façon de prendre ses fruits. Oui ? Je me suis caché. Tu te fous de ma gueule, t'as quand même pas été jusque là-bas. Bon, bah écoute, j'arrive. Allez, à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Bon les gars, je viens de m'appeler. Il a le seum parce que c'est encore plus loin que ce que je lui avais dit. Donc, c'est pas du tout dans la zone qu'on avait prévu. Et ce qui est bien, c'est que j'ai un petit visuel sur lui. Parce qu'il arrive par là, c'est sûr et certain. Ou alors il va arriver par là. Dans tous les cas, j'aurai un visuel sur lui. Et moi, ce qui est bien, c'est que j'ai un arbre sur lequel je peux jongler en termes de position. Et il n'y a personne, il est tranquille ici. Pourtant, c'est le château de Poudlard, donc je ne comprends pas. Normalement, il devrait y avoir pas mal de visites du monde entier. Mais bon. C'est pas grave, la popularité reviendra sûrement dans quelques années dès qu'on sortira le tome 8. Ok. Je l'ai vu, je viens de le voir. Tu vas me faire courir, moi? Ok. J'arrive, mec. Là, il est là. Il est dans le coin. Je suis sûr, il est là. Il est là-bas. Je revisionne les photos. Il est là, faut que je fasse le tour. Alors là, mon pote. Qu'est-ce que je fais? Il est caché dans le muret.
Tu vas pas filmer longtemps, moi je te le dis. Et là, il est vraiment là, ici. Et là. Ailleurs aussi, il était là. Putain, il arrivait pas là, quoi. Pour la peine, je t'appellerai pas. Ça vient, je... J'espère qu'il m'a pas vu. J'espère qu'il m'a pas vu. C'est sûr que je l'ai. Sur toi. J'étais là. Là. Les gars, j'étais là. Je le vois courir de l'autre côté. Je vais pas prendre par là, je vais faire le tour. Oh putain. Je croyais que t'avais tourné la tête. Je savais que tu m'avais vu quand j'étais derrière là parce que je voyais, tu montrais du doigt. Non, je t'ai pas vu. Quand t'étais derrière, je t'ai pas vu. Je me suis dit, je suis sûr que t'es caché ici. Je faisais comme ça avec un. Je suis sûr que t'es caché ici. Ah, le meilleur, putain. Et quand je t'ai vu courir, je dis, oh putain, le bâtard. La dernière cachette. Allez, on arrête les conneries. Bon, tu te caches où? Quelque part. Dans une cachette. Tu te caches à la gare. Tu te caches dans une cachette. Oh non, j'ai plus que 5% de batterie, c'est une blague. Bon, ma caméra n'a plus de batterie. Super. Donc vous aurez pas les appels. Voilà, du coup vous aurez pas les appels. Mais... Bon, on débriefera juste après les appels. Tu peux filmer, hein, tu sais, je t'appellerai quand même sur mon téléphone pour te dire... Je t'appellerai quand même sur mon téléphone pour te dire que je suis là. Bah, j'espère juste qu'il ne s'atteindra pas quand j'arriverai, sinon bah, je pourrais pas te prévenir. Il est en train de marcher là-bas. Troisième cachette, la gare. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre de l'avance. Je vais pas le suivre évidemment, je vais laisser des pas de recul. Mais je vais prendre un bus, je pense, de pas me faire chier. Parce qu'honnêtement, là aller à la gare à pied. C'est pas que j'ai un peu la flemme, c'est que j'ai un peu la flemme. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qu'il a? Il me demande de venir. Un petit changement de dernière minute. Bonjour. Alors mon téléphone vient de s'éteindre. Donc je ne peux pas prévenir Enzo quand je suis caché. Donc on va changer la règle la dernière seconde. Tu vas venir avec moi à la gare. Toi tu vas rester dans le coin le temps que je me cache. Et toi de toute façon. Putain, il n'y a pas de poubelle peut-être. T'avais prévu de te cacher à la gare aussi? Oui. Donc on va tous les deux aller à la gare, il va compter jusqu'à un certain nombre et le temps que je me cache et puis bah, après il va me chercher. T'es d'accord? Oui. Allez, on va ensemble à la gare. Du coup je ferai un petit jingle. On est très 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 content en tout cas de vous retrouver pour une nouvelle année qui va être riche en émotions pour nous parce que on a dit qu'on allait se donner à fond pour vous divertir les gars. Tout à fait. Donc voilà, on va rien lâcher et on va vous proposer du contenu incroyable, vous allez kiffer vos races. Moi je vais dire aussi quelque chose. Non je rigole, c'est les gars. C'est dangereux pour la santé. Ne fumez pas. Et plein d'autres problèmes de santé pas trop drôle comme par exemple problèmes financiers. Ouais, parce que c'est tout pour nous. Oui. Parce que vous pensez, nous on est payé, pas du tout. Vous êtes très peu pour qu'on soit payé. C'est pour ça qu'il faut s'abonner. Parenthèse abonnement. À l'heure où vous regardez cette vidéo, on est actuellement en tournage, on ne sait pas pourquoi, parce que à l'heure où nous on tourne cette vidéo, c'est pas du tout ce qu'on a l'intention de faire pour la prochaine fois. C'est vrai. En tout cas, ce sera la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà. Moi, si je peux vous dire quelque chose, c'est que quand je suis tout seul
je peux pas filmer. Parce que j'ai l'impression d'être un trou du cul dans la rue. Alors que quand je suis avec toi, ça me dérange pas. Ouais, et j'ai pas peur de faire des conneries quand je suis avec toi. C'est pour ça que le duo, il y a une sorte d'osmose, tu vois. Voilà, c'est pas ça, uniquement parce qu'on est frères, c'est uniquement parce qu'on est sans plus à l'aise tous les deux quand on filme. Pour lui, il s'en bat les couilles, c'est pas pareil. Il demande à tout le monde. Oui, voilà, moi je m'en bats les couilles, j'ai aucun tabou avec personne. Mais ce qu'il y a, c'est que comme il vient de le dire, on a une alchimie. Quand on est ensemble, on arrive à faire des conneries. Bon, en tout cas, on vous prépare plein de vidéos. On vous prépare plein de vidéos pour l'année 2023. Bon. Nous-mêmes, l'année, on ne sait pas du tout comment elle va se passer, mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'on ne lâchera rien du tout. On va se donner un fond pour avoir des sous. Vous voilà la gare ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, ben, on se cachait. Vous êtes appris, toi, aujourd'hui ? Ça ne te rappelle pas des moments, ça ? Dans la voiture. Ouais. Frites ! Serviette. Si vous savez pas de quoi on parle, voici un extrait. On était cons à cette époque. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui... Ouais. T'as pris quoi? Je gagne. J'espère que cette fois, ils sont pas loupés. Oh. En fait, l'autre fois, je voulais prendre un trip et ils m'ont donné un nom. Ouais. 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 Ça prend un double. C'est ça pour nous, mais... Oui, pour information, c'est les gens qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur une idée. On dirait que t'es sur une idée verte et que tu fais passer un message. N'hésitez pas à venir sur notre TikTok aussi. Mais surtout dans la description. Comment vous trouvez mon bonnet? Comment? Comment vous trouvez mon bonnet? Il est sympa, hein? Moi, personnellement, je m'en bats les couilles. Tout à l'heure, vous avez vu le mien. Il était pas ouf. Mais bon, au moins il m'a bien caché le cosplay. Franck à la tortue, j'avais le sac et par-dessus j'avais la veste. Il ne fallait pas que tu me vois en fait, pour me reconnaître. Je veux dire, t'es pas reconnu. Tu Bon les gars, c'est parti, on est arrivé à la gare. Cette fois on y est vraiment. Et gare à toi. Pour le coup, là, cette partie-là, on va la faire différemment parce que comme on peut plus s'appeler pour, et puis envoyer de photos, on a décidé on justement. Faire. Voilà, on va faire comme ça. Donc tu vas compter jusqu'à 100. Le temps que je me cache. Ou alors je mets un timer de 2 minutes. Non, compte jusqu'à 100. Bon courage. Bon courage à toi. Allez, à tout de suite. Ah, on va voir ce qu'il y a à la gare. J'espère qu'il y a de quoi se cacher. Ok, les gars, on y est. Est-ce qu'on se casse dans un quai ou est-ce qu'on se met vraiment à merci tout le monde dans un... Oh yes, on va se foutre au Starbucks, les gars, c'est bon. Nickel, allez, on se met au Starbucks. Bah, il vient de partir, du coup je vais compter jusqu'à 100. Et bah, je vais le faire maintenant. Je vais compter en tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... C'est bon les gars, je suis caché, je suis au Starbucks. De la tenue, j'ai mis un gilet jaune pour faire genre qu'ils ne me reconnaissent pas. Bon, je vais pas le voir arriver. Le 26, le 27, le 28, le 37, non, le 29, pardon, le 40. Le 78, le 31, 32, 33. Allez, on y croit les gars, on y croit, on y croit, on y croit. Il me trouve pas. Il va me trouver à la première seconde. Bon. Comme la gare est assez grande, il va penser que je me suis caché dans les quais ou une connerie comme ça. Oh merde, j'ai mon sac. J'ai caché mon sac. Je 79, 80, 81, 82, 83. Il m'aura pas. Il m'aura pas ce fou, il m'aura pas. Désolé. On va l'avoir. On va l'avoir. Jusqu'au bout, on va l'avoir. Très peu de budget hein, pour se déguiser quand même. Pour se camoufler. Ce qui est le plus chiant dans l'histoire, c'est de pas savoir ce qu'il fout en ce moment. Je sais pas où il est. 99
et le final vous l'avez, le numéro 100. C'est parti, on va chercher ce petit enculé. Tout le monde me regarde, donc tout le monde est complice dans cette histoire en fait. C'est ça. Ou alors je suis juste un petit peu con avec ma caméra de merde. Il aurait pu juste se cacher en fait. Il aurait pu juste se cacher au milieu des gens et faire comme s'il était un passant normal alors qu'en fait c'est Malik. Je vais essayer d'avoir un visuel sur lui si je peux. Putain, c'est visuel, il y a des trains de l'autre côté. Je devrais voir. C'est de me chercher dans les quais ou une connerie comme ça. Est-ce que vous pensez que c'était aussi stressant une partie de cache-cache quand même? Vous remarquerez que je ne consomme rien par contre. Je vous montre. Je ne consomme absolument rien. Je suis vraiment juste venu en tant que clandestin. Là. Mais ça sent la gagnance. Non, non, on va pas se fouler, après il y a encore moi qui dois le chercher. Il était pas sur la voie 4. Il est là, regardez, c'est là. Il est trop con, mais il a même pas pensé à faire le tour de la galerie, gros. Ah putain, il m'a mis. Pas de marque à l'image. Dommage que vous ayez pas l'image parce qu'il était. J'ai vraiment vu de l'autre côté. La merde, j'ai montré ma gueule moi aussi. Je me suis dit, vous avez une vidéo pour un mec, t'arrives à tenir des gens. Ah ouais? Mais là, tu t'es mis tout seul. Je pensais que t'avais pas. Au début, je voulais faire ça, mais je me suis dit, je vais pas avoir le temps de commander un café, de me poser là-bas et de faire genre que tu me vois pas, quoi, tu vois. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me mettre là de dos. S'il passe par là, il me verra pas. Il me reconnaîtra pas. T'inquiète, ça marche. Bon, bah, il m'a trouvé. Malheureusement, bah, j'ai pas gagné encore. J'étais jusqu'à la voie 4 et tout, j'ai n'importe quoi. Là. Bon, je vais peut-être enlever ça parce que ça commence à me gonfler très légèrement. C'est à toi d'aller te cacher? Ouais. Bon courage. À tout à l'heure. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous épargne un moment où je compte. Hein. C'est à moi de me cacher. J'ai une idée. Et hop. Je suis resté ici. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, mais je le sais forcément. Je vais pas laisser. Je vais cacher dans une des voies, j'ai pas chaud. Je vais rester ici. Je suis dans un parvis. C'était ma première idée à la base. Je me suis dit le photomaton c'était un petit peu trop tricard. Il m'aurait forcément trouvé à m'envoler. C'est pour ça que je vais rester ici. Prier pour pas qu'il me trouve. Je vais mettre ma capuche. On a combien en termes de flow là? Il va forcément venir ici à un moment donné. Cache-cache dans une gare, forcément, il faut forcément qu'on passe vers un quai à un moment donné. Si j'avais voulu prendre plus de risques, j'aurais été dans un train avant qu'il décolle. Mais je me suis dit. On va réserver ça pour une prochaine fois. Quand ça aura un peu plus de préparation. Okay. J'ai plus qu'à prier pour pas qu'il me trouve. Au bout de 10 minutes. Bon, c'est bon, j'ai fini de frotter. Je vais à sa recherche, c'est parti. Allez, go. Alors, où est-ce qu'il peut être? Il va faire sûrement comme moi et vouloir se dissimuler dans la foule. Sauf que j'ai été con et je ne suis pas dissimulé dans la foule. Je vais le trouver, je vous inquiète pas, je vais le trouver. Ah, le salopard de merde que c'est, putain. Moi, je pensais que ça allait être simple, mais non, en fait, ça allait pas. On perd pas espoir, je vais l'avoir. Ah, bâtard, et par contre, il a pas le droit de sortir de la gare. Je vais aller voir là-bas. Sur les quais.
Fou, j'ai même pas le droit d'être là, je vais me faire renvoyer, genre. Il me tarde de voir sa gueule quand il va arriver. Il y a un train qui décolle, il y a un train qui décolle, il y a un train qui décolle, il va avoir un visu sur moi. Oh putain, merde. Je vais d'abord sur le quai de Nancy. Je vais faire tous les quais, un par un. Je dis pas qu'il est assez con pour avoir été dans un train par contre, là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, aller dans un train ça compte pas, il peut pas malheureusement parce que bah, sinon à ce compte là autant se dire que le cache-cache finit à Paris. Oh, putain, je vais pas faire quand même les quais un par un. Non, non, il doit pas être dans un quai, c'est pas possible. Après, tout à l'heure il m'a dit que lui il était chaud pour se cacher dans un quai donc. Descends, j'ai pas le choix, je vais descendre. En fait, ça se trouve, ça me cassait tout le con, putain. Oh putain, je l'ai eu. T'es un bâtard, t'as pas le droit de bouger, sale chien, de la casse que t'en es, moi. Il y a un train qui arrive. Je voulais pas que tu me vois. Je me suis dit, je vais descendre un petit peu. Regarde les salopards, là. Oh putain, je vais à ce moment-là, putain, je vais chier. Oh putain. C'est ce que je voulais faire au début. Je voulais me cacher dans un photomaton. Dans un photomaton. J'aurais même pas pensé à regarder. J'aurais même pas pensé à regarder. Mais je pensais que tu voulais avoir la même idée que moi et te dissimuler dans la foule. Non, j'avais prévu. Oh putain mec. Yes. Yes. Inattendu hein. Inattendu hein. C'était trop bien. C'était trop bien. Bon, on vient de revoir les rushs et effectivement il a voulu monter dans un train. Il a voulu monter dans un train. Tu veux qu'on fasse la vidéo à Paris? Dis-le. Ouais, y a pas de soucis. Bon. Chouette vidéo, t'as assuré. Bon bah du coup on a tous les deux perdu. Enfin on a tous les deux gagné, donc il n'y a pas de gagnant. Je vais te dire. On va faire l'autre autre. On a toujours un truc à bouffer dans les plans. Je l'ai à peine dit penser, mais non, tu l'as dit. À chaque fois on fait des transitions là. Mais écoute. Comme ça. Bon bah écoutez, donc la finalité c'est quoi? C'est que personne n'a perdu, mais personne n'a gagné en même temps. Donc on a décidé qu'il y aurait un gage. Pour tous les deux. En commun. Le gage, c'est. Dire gage. Gage. On dira en story le gage. Voilà, on dira en story le gage. On aura tendance à se concerter la semaine, là, et j'avoue ouais. Qu'on se pèle un petit peu le cul dehors, et qu'on aimerait bien rentrer chez nous, et parce que j'ai envie de chier sa mère. C'est pour ça que moi j'ai chié avant de venir, parce que. Parce qu'on a mangé McDo, Coca, c'est bon. Café, là, ça va. Pas bon, hein. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça nous fait énormément plaisir. Ouais, on espère que ça nous a fait énormément plaisir de l'avoir tourné aussi. On a grave kiffé. On s'est amusé. C'est le principal. On vous promet des vidéos incroyables pour toute l'année 2023. Là, c'est le début du début. Mmh. Et pas le début de la fin. Ne vous étonnez pas si dans les prochains mois à venir, vous voyez la qualité augmenter au fur et à mesure que le temps passe. On va se donner un fort, les gars. Bon, il mérite. Vous aurez nos gueulons achetés bientôt. Pour l'instant c'est pas le cas. Parce que là, nickel pour un peu, bon, ça fait la vie un peu. Bon, bah écoutez, sur ce, un mot de fin peut-être. La semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Et on vous le promet cette fois, tous les jours une vidéo. Oh, calme-toi, hein. Oh, comme des métiers merde. J'en fais que tu n'es pas glacé. Bon bah écoutez, on fait des gros bisous, il a envie de partir, du coup lui il a les nimes plus du tout. Moi j'ai un but. Bon, et bah à dimanche.